paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. Les rats. La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Oiseau, reviens. Hé, tu faisais un rêve. On est arrivé ? Non, mais c'est plus très loin. Hé ! Ne regarde pas. Pourquoi ? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère, pense que tu... Non ! Sur l'île ! C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal, mais le magister m'a dit de me taire, que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magister, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Lucas, va voir le capitaine avec Hugo. Bien sûr. Il va te montrer comment tenir la barre. Je vais lui demander de nous apprendre à faire des nœuds marins. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer ? Oui. Nous devons le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau ? Ça n'est pas la même chose. Tu as vu ce qui s'est passé ? L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Je ne suis pas ton ennemie, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Oh, les débris ! Ils nous bloquent le passage ! Je vais jeter un œil. Je pense voir le problème. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire ? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, c'est comment ? Eh bien, on peut essayer. Prêt ? Oui. Non, pousse ! Quoi ? Amicia ! Suis-nous ! Ça tombera plus en avant ! Allez, viens. Faut qu'on trouve un chemin. Bon, j'espère que Joseph pourra arrêter le bateau. Il ne méritait pas ça. C'est une tragédie. Je n'aurais jamais pensé. C'est trop tard. Mais cette île... Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment ? La question, c'est où ? Il faut qu'on la trouve. Et votre mère ? Ça m'est égal. Mais toi, tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat.
passage. Là. Allez, suis-moi. La rivière est là. Et voilà. Mon sang. C'est encore pire, Vudon. Cette odeur est insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. Hey, qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Que se passe-t-il? Chance. Est-ce que ça va? Oui. Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Allez, ils vont bien tous les deux. Oui, mais il y a les rats. On sait quoi faire. On arrive. Oh, bon. C'est un début. Lucas, c'est pour toi. D'accord. Ça fonctionne. La paille bouge. Oui, ça pourrait nous permettre de passer. Tu as vu ce trou? Continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Oh, la paille ne suffira pas. De nouveau utiliser cette grue. Bien. Occupe-toi de ça, s'il te plaît. Bien. C'est fait. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Je m'attends.
je te rejoigne? Ça fera l'affaire. Oui! Beau lancer! Belle réception! Bon, à moi! Seigneur! Tu peux y arriver! Continue de courir! Oui! C'est juste des rats! Je connais les rats! J'attends quoi? Allez! Allez! Yeah! Cours! Réfléchis pas! Ne pas réfléchir! Ah! Ouais! Tu cours plutôt vite! Merci! Une bonne motivation! C'est la clé! Je suis coincé! Ce truc est verrouillé! D'accord, je m'en occupe! Bon, on a une autre botte de paille! J'enflamme et on court! D'accord! Prépare-toi! À prendre de l'élan, je crois. On est tout proche. Respire. J'essaie. Bien, on y est presque. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Une fois que l'orgue aura mis la main sur lui, ce sera trop tard. Amicia, ne peut pas te sauver comme Godin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Tu me connais? Je reviens toujours. C'est ce que je lui ai dit. Mais c'est bon de vous voir sain et sauf. Désolé de vous interrompre, mais on doit y aller. Il y a toujours le foutu chef qui nous bloque. On va s'en occuper. Est-ce qu'il y a trop d'un bac? Il n'y a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté? Ce bac pourrait m'y emmener. C'est pas possible, nous tombons. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment on va descendre là-dessous? On va trouver. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Lucas, tu peux t'en charger? Naturellement. Alors? Trouve un passage. Il y a un trou là. Je descends. Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a des morts partout. Sors de là. Non. Ça va aller. Pardonnez-moi. Oh. Oh. Non. Pitié, non. Oh, je suis désolée. Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. Je t'envoie le bac. Oui, pitié. Reviens.
Oui, j'arrive. Ça devait être horrible. Oui. Oh. Tout va bien? Prête? J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. Désolée, Amicia. J'ai peur. Mais non. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne peux pas aller voir l'homme. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je sais. Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île. Pas maintenant, Amicia. Très bien. Il faut dégager cette chaîne, d'une façon ou d'une autre. Tu vois quelque chose? Je cherche! Il y a forcément quelque chose ici. Ça pourrait marcher. D'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le, au moins. Calme-toi. Concentre-toi. Bon sang. Comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Tu es bouleversée. Et tu sais pourquoi. Lille. Tu verras ça plus tard. Reste concentré. Ici. J'ai besoin de toi. Il va falloir que je grimpe encore. Le chariot était de la bonne taille.
marcher. Mais mon sang n'a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est un très gros problème pour vous. Faut partir. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons! Essaye! Ça sent trop bon! Qu'est-ce qui se passe? Remontez la bouteille! Accélérez! Vous leur avez fait quoi? Je suis juste défendu! Amicia, arrête-toi avec nous! Non! Quelqu'un doit couvrir Joseph! Ne sois pas stupide! Ils sont trop nombreux! Je sais ce que je fais!
demoiselle. Ta mallette est faite pour toi. Non ! Que se passe-t-il ? Joseph est mort ! Ne sortez pas ! Protégez Hugo ! Vous êtes là.
Aidez-moi! Je suis trop loin! Si tu les touches! Go! Plus vite! Chauffez-la! Mieux que ça. Hugo ! Regardez ça. Voilà tes renforts. Pas mourir, hein? Non! Remontez! On n'a plus beaucoup de temps! Qu'est-ce que vous attendez? Amicia! Amicia! Qu'est-ce que tu fais? Amicia, pourquoi? J'ai une idée. Si nous prenions la mer, rien que toi et moi, allons trouver ton île.